Le miracle est l'expression de l'amour de Dieu envers le croyant. Mais la conversion est l'expression de notre amour, de notre attachement avec ce Dieu. Fidèles téléspectateurs de la Glory Church Channel, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Une vie, une expérience. Notre invité du jour est parti de 6000 km. Il est parti de Paris et il a accepté notre invitation afin de partager son témoignage, son expérience avec vous, avec nous. On se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Bonjour, je suis Joseph Moussio, psalmiste. Je suis heureux d'être là. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille où on allait à l'église tous les dimanches. Et moi, j'aimais aller à l'église, toute ma famille, voilà. On a grandi dans cette culture-là. Et pour moi, je me disais, je connais Dieu. Je connais Dieu et puis, bon, je suis sauvé parce que je vais à l'église tous les dimanches. Beaucoup de gens m'ont connu, j'ai accompagné entre autres Petit Pays. J'étais l'un des chanteurs principaux dans les centres visa. Ce qui se passait, c'est que les choses étaient plutôt assez improvisées. Il arrivait avec une idée et puis bon, il laissait tout le monde s'exprimer. Et donc c'est comme ça que sur l'un des chants, qui a quand même pas mal marché, c'était ma voix dessus et je me suis adonné à beaucoup de plaisir. Vous savez, quand on travaille dans la musique, il y a tellement de tentations. Et puis, bon, les filles, elles sont très accessibles. Et Dieu m'a donné un talent au niveau du chant. Donc, ce qui fait qu'aborder les filles, c'était facile. C'était facile aussi de rentrer avec elles, de rentrer dans des aventures. Voilà, les choses étaient très faciles. J'avoue que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai quand même... J'ai pris un virage très, très décisif dans ma vie où j'ai failli me perdre complètement, complètement. Je venais d'essuyer une grosse déception amoureuse et j'ai voulu en quelque sorte prendre ma revanche sur les filles. C'était un peu la dépravation, quoi. Les prostituées, des relations avec les filles multiples, toutes sortes de choses, la pornographie. J'étais complètement esclave de la pornographie. On allait dans les boîtes de nuit regarder les filles, les jeunes filles, des filles très jeunes d'ailleurs, danser à moitié nues. Et voilà, ça nous procurait du plaisir et tout ça. Et voilà, pour moi, bon, j'étais dans la vie. Et lorsque je me retrouvais seul, après tous ces actes de débauche, après tous ces actes de débauche, je me disais... Mais je me sentais vide. Je me sentais vide. Ça procure du plaisir, mais le bonheur, c'est pas le plaisir. Ça procure du plaisir. Et après ce plaisir-là, c'est le vide. Et une forme de culpabilité. Parce que quelque part, il y a une voix dans la conscience qui te dit, c'est pas ce que tu dois faire. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en France. J'ai recommencé à aller dans une église... une église traditionnelle, c'était pour me faire une bonne conscience. Je repars à l'église comme je faisais dans ma famille quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais à un moment, tout ça ne suffisait plus. Et j'ai commencé à fréquenter une communauté dite de réveil. Et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement hors de la plaque. Donc j'ai fréquenté cette église-là avec un souci de vivre vraiment la réalité de Dieu. Mais j'étais toujours dans un esprit de religiosité. Bon, j'y allais, voilà. J'attendais de vivre certaines choses, de ressentir certaines choses. Je n'avais pas compris qu'il s'agit premièrement et essentiellement d'une relation. Donc j'ai une de mes sœurs qui a eu un accident, qui a fait un AVC. Le pronostic vital était engagé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là où les médecins disaient, écoutez, il faut prendre la décision de débrancher parce que votre sœur, on ne pense pas que
que ça puisse changer quoi que ce soit. Et même, au mieux, si elle sort de là, elle ne sera qu'un légume. C'est-à-dire que il n'y a que ses yeux qui peuvent bouger. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu des témoignages où des gens disaient comment tu as miraculeusement guéri. Tu les as sortis d'une situation qui semblait impossible aux yeux des hommes. J'ai besoin de toi. Et je passais en même temps par une situation très douloureuse, par une situation sentie, une déception sentimentale, et c'était très difficile. Et ce jour-là, dans ma chambre, le Seigneur s'est manifesté à moi. Et la première des choses qu'il a faites, il m'a montré l'état de mon cœur. Il m'a montré l'égoïsme. Il m'a montré la convoitise. Il m'a montré l'égocentrisme. Il m'a montré l'impudicité. Comment l'impudicité avait sali mon âme et tout ça. J'ai pleuré. Et c'est là où j'ai demandé pardon à Dieu, en lui disant, je veux qu'il vienne dans ma vie, je veux que ma vie change, je veux connaître cette paix dont l'Évangile parle, je veux connaître cette paix. Et c'est comme ça, à partir de ce moment-là, que le Seigneur a commencé à orchestrer des événements dans ma vie pour produire le changement qui s'est opéré dans ma vie et qui continue à s'opérer dans ma vie. Mais par la grâce de Dieu, ma sœur, elle est vivante aujourd'hui. Elle a toutes ses facultés intellectuelles, morales. Et donc, j'ai vu, je suis passé de la religion à cette relation. Cette relation qui procure la paix, cette relation qui te donne une joie que rien d'autre ne peut te donner. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur et j'ai commencé à... Et je me suis dit, il faut que je me retrouve dans une communauté dans laquelle je dois grandir, dans laquelle je dois apprendre à servir Dieu. Et j'ai compris que l'Église est la plus grande de toutes les écoles qui existent. Bon, maintenant, les écoles se démarquent de par la nature et la qualité des enseignements que ces écoles dispensent. Et l'Église, c'est ça. L'Église, les églises se démarquent non pas par l'aspect ou ce qu'on peut ressentir lorsqu'on rentre dans une église, mais le véritable rôle de l'Église, c'est d'amener des personnes à acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Dieu a allumé en moi une flamme qui me pousse toujours à aller le chercher, qui me pousse à plus chercher Dieu, son cœur lui-même, que ce que lui, il peut m'apporter. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit que si tu as ma personne, tu as tout. Si tu as ma personne, tu as tout. Donc, le fait est que beaucoup de personnes cherchent ce que Dieu peut faire. Beaucoup de personnes viennent à Dieu parce qu'elles veulent ce que Dieu peut faire. Et c'est une manière erronée de bâtir une relation. Parce que le jour où tu n'as pas ce que tu attends de cette personne, tu es déçu. Tu es frustré et tu qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'investis plus dans la relation. Et c'est pour ça qu'on remarque, qu'on voit beaucoup de chrétiens qui sont refroidis, qui sont charnels, qui manquent de maturité, qui manquent d'engagement, et dont la vie n'est pas à la gloire de Dieu. Alors que lorsque tu te dis tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. C'est ta personne, c'est ta présence. Je ne suis à la quête que de ta présence. Je ne suis à la poursuite que de ton cœur. Quand j'ai ton cœur, quand je suis dans ta présence, j'ai tout. Je suis satisfait et complètement nourri par ta présence. Là, tu arrives dans une dimension où Dieu voit en toi, comme il disait de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Et ce qui rythme, ce qui va diriger la vie d'une personne qui ne cherche que cette présence, c'est que cette personne, elle va être dévouée à ne faire que la volonté de Dieu. Que ça aille bien dans sa vie, que ça aille mal. Elle sait et elle a la conviction que tant que sa vie est entre les mains de Dieu, tout n'ira que selon la volonté de Dieu. Que tu es capable de te délivrer. Lève les mains et témoigne. Tu es capable. Infiniment. Abondamment. Bien au-delà. De tout ce que tu demandes. Votre de la puissance
fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Hey. Oui, il fera. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Cet album est un excellent outil d'évangélisation. Pourquoi? Parce que la Bible dit, comment se convertirait-il si personne ne prêche, s'il n'entend pas la parole de Dieu? Et cet album est la parole de Dieu mise en mélodie. Donc, c'est un excellent outil parce que une personne qui va écouter la musique, vous savez, la musique, rien que la musique, a une énorme puissance sur l'âme. Donc rien que la musique, la mélodie, les instruments, la personne, elle va prendre du plaisir à écouter. Et elle va commencer à chanter des choses. Elle va commencer à dire des choses. Et c'est la parole de Dieu qu'elle va commencer à proclamer sur sa vie. Et si cette personne, par les vertus du Saint-Esprit, s'accapare de cette parole et s'ouvre à ces paroles, fait de son cœur une terre fertile, elle va commencer à voir des changements et des transformations s'opérer dans sa vie. Si Dieu a fait ça pour moi, pour qui d'autre? Qui c'est qui peut dire que moi, je suis allé peut-être trop loin, Dieu ne peut pas le faire pour moi? La Bible nous donne des cas. Paul, c'est un meurtrier. Tu diras peut-être, moi j'ai été un meurtrier, j'ai passé 20 ans en prison, Dieu ne peut rien faire pour moi. Je te dis, mon frère, mon ami, c'est faux. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais. Il regarde à ce qu'il a mis en toi, qu'il veut déployer. Ce que tu fais n'enlèvera jamais ce que Dieu a mis en toi. Quelle que soit la noirceur que ton âme a pu, et dans laquelle ton âme a pu plonger, Dieu a mis un potentiel en toi. Il n'attend que ton go pour qu'il sorte tout le potentiel qu'il a mis en toi et qu'il fasse de toi une personne dont la vie va susciter l'étonnement de plus d'une personne. Que la main du Seigneur soit sur tout ce qui est produit dans cette maison et que surtout le Saint-Esprit inspire toute chose qui est faite dans cette maison. Je prie afin que ce média puisse aller et concurrencer les médias séculaires, qu'une qualité d'émission soit produite au travers de ce média, qui vont même interpeller des païens, que Dieu donne de l'inspiration, de l'originalité, afin que des émissions qui n'ont jamais été suscité dans le monde, puisse être suscité dans les médias qui sont à la gloire de son nom, et qu'au travers de cela, le monde lui-même vienne chercher des choses qui sont produites dans des médias comme ceux-ci, afin que le monde lui-même soit édifié et qu'il soit gagné. Je demande et je prie dans le nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu.
Ma prière est que ce témoignage vous édifie. Ma prière est que ce témoignage vous réconforte. Sur ce, bonne suite de programme sur la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée. Shalom.